Oui, ça m'a permis de refaire tous mes papiers, toutes mes démarches. Je ne touchais plus rien au niveau aide sociale, RSA et compagnie. Et c'est quand même grâce à la salle que je dors plus dehors, que j'ai eu un hébergement, un hôtel, au début du Covid. Et tout ce qui suit, l'assistante sociale m'a aidé à faire mes démarches, le RSA. Et petit à petit, voilà, ça m'a permis de me remettre sur les rails, quoi. On assiste beaucoup aux abords de la salle à des gens qui sont contre le fait qu'il y ait des salles de shoot, parce qu'ils voient que le mauvais côté de la chose. Et je repense sans arrêt à ce truc-là, que je me rappelle dans les entrées d'immeubles, entre les voitures, dans tout le quartier, qu'il y avait des seringues partout, dans des conditions pas possibles. Entre les voitures, les gens qui passaient, qui amenaient leur enfant à l'école. Malheureusement, j'ai participé à ça aussi, où on n'avait pas le choix, où on shootait n'importe comment entre les voitures, enfin, tout ce que ça comportait, les seringues, les bagarres, les énervements avec les gens. Et tout ça a quand même bien réduit, grâce à la salle, juste tout ce que ça nous apporte en termes de. Avec les travailleurs sociaux, avec ce que ça peut nous aider, quoi.